Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur la saison 2 de Mountain Blade Warband. Alors, la dernière fois que j'avais laissé, on devait aller à Tulbuk. Ouais, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, je m'étais fait avoir par des bandits des steppes là, qui m'avaient extorqué 466 deniers, ce qui m'a fait très mal. Au porte-monnaie, bon, il m'en reste encore pas mal, mais 466 en moins, ça fait mal. Il y a des bandits des steppes, mais de toute façon, ils vont trop vite. Alors, les bandits qui attendent une rançon. Coucou. Voilà. On va prendre la fille kidnappée. Maintenant, on se tire. Voilà. On se carapate, on s'en va, on rentre à la maison. Parce que c'est clairement pas cool. Ici, c'est vraiment galère. Il n'y a toujours pas de rançonneur. Non. Donc allez, directos du côté de Nara. Et je croise les doigts pour pas trouver de bandits des steppes. Parce que déjà ils vont vite. Et en plus ils font mal. Ah là là. La galère. Non, c'est des chasseurs de primes, ça va. Ma tête n'est pas mise à prix, donc ça va. Je suis désolé pour ma voix si elle déraille un peu, hein, je suis toujours malade. Et si vous vous demandez pourquoi je suis malade encore, alors que ça fait déjà presque une semaine que la première vidéo est sortie, c'est tout simplement qu'en fait j'ai fait des tournages en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai tourné le premier épisode il y a quoi, il y a 2-3 heures. Donc je suis toujours malade. Voilà. Toujours vérifier. Ouais, il y a encore un paquet de monde. On va vite sortir d'ici. On va se tirer des steps. Et on va rentrer à Jelkala. Là-bas, il y avait Lucas. C'est parti. On va pouvoir rentrer. Alors par contre, par où on va passer? Je vais déjà les faire passer par là. Donc là il y avait Lucas, on va aller du côté de VUK. On va passer par VUK. Ok. On avance. On avance, on avance. Est-ce qu'il faudrait pas que je passe par Dirim? On va essayer de passer par Dirim, je crois que j'ai assez de temps. Il reste 10 jours, ouais, j'ai largement le temps. On va passer par Dirim. Alors je recrute pas d'alliés dans les villes des autres factions, parce que sinon ils perdent en morale. Lorsqu'on fera des guerres, ça va être un peu horrible. Si j'ai une partie de ma troupe qui est... craint un peu. Alors par contre, Ymira... j'ai un penchant pour les classiques et la littérature. Ok, bon voilà, on a encore un héros. Donc on est déjà à 3 héros, donc j'ai bientôt rempli mon objectif. On a juste que je regarde un peu les compétences de mademoiselle. Organisation d'inventaire. Elle est bonne en premier secours aussi. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. On va aussi que je les équipe correctement parce que là ils sont, je crois qu'ils sont à poil. Et en fait, on perd les bonus en combat si les Gugus ils meurent. Enfin en tout cas, ils sont assommés parce que je crois que les héros ne peuvent pas mourir, ils peuvent juste être assommés. Disons qu'en fait, il faut les maintenir en vie sinon on perd tous les bonus. Et en l'occurrence, le héros de soins, donc le super soigneur qu'on peut avoir dans notre équipe,
est un atout majeur en fait. C'est un peu le pivot de l'équipe d'après ce que j'ai vu. Allez, c'est un peu long. Je vais peut-être vous couper la séquence et vous reprendre une fois que je serai à Veluca au moins. Ah bah tiens, il m'ira atteindre niveau 2. Alors, niveau 2, on va augmenter son charisme. Augmenter son blessure. Ok. Voilà. J'ai juste coupé la séquence et je vous retrouve une fois que je suis arrivé là-bas. Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends. Bah, je suis rentré dans la taverne de Veluca et je suis tombé sur un rançonneur. Enfin. Alors, des prisonniers à vendre. Bon, c'est pas autant que ce que je pensais, mais c'est déjà pas mal. Là, il y a un voyageur. Nizar. Un guerrier de profession. 300 deniers. Ouais, ça fait quand même beaucoup, j'ai déjà quelques héros, il faudra que je m'en occupe. Oula. Est-ce que j'ai pas des... Non, j'ai cru que j'avais pied dans la table. C'est un peu bizarre. Donc là, il y a une garde de caravane, c'est bon. Ok, direction Jelkala. Et si je peux aller tataner sur des gens au passage, ça peut être cool. Recruter des volontaires. Donc on a fini cette quête, il faut vraiment que j'augmente ma renommée. Pour l'instant je suis à 5 et en fait il faut que je le multiplie par 100, à peu près. Ça va être long. Ok. On va se promener dans les rues. Alors pourquoi cette fois-ci je suis pas à l'intérieur? La question peut se poser. Alors, attendez. C'est lui. Coucou. 230 deniers, 560 points d'expérience. Maintenant, as-tu de nouvelles quêtes? Et les déserteurs. Les déserteurs, c'est quand même beaucoup. Juste... Ah, je peux pas avoir. J'aimerais acheter un terrain pour ce bourg pour faire une entreprise de production. Non. Peut-être pas là maintenant. Alors, la taverne. Il y a quoi la taverne? Voyageur, un astic nomade, un épéiste mercenaire. Et le marchand. Qu'est-ce qu'il me dit le marchand? Rien du tout. S'en fiche. Alors. Si on allait du côté d'Yalen. On va voir si on peut pas recruter des gens au passage. Et se battre. Je voulais pas prendre la quête des déserteurs parce que les déserteurs ça reste des ennemis qui sont pas simples. Et ça m'embêterait de me battre contre des déserteurs maintenant. Surtout s'il faut se battre contre 20 déserteurs. 20 déserteurs j'y arrive pas. Les soldats sont prêts à être promus. Ah ah. Voilà. On va passer par le haut, on va passer par Dumar et Pêche. Et Pêche, ouais. Pour recruter des personnes. Alors, oula. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me fuyez? On fait quoi là? On danse? Parce que j'ai pas été très... Alors là, par contre, je suis dans un état emmerdant. Ok. Là, ça va être chaud. Ça va être vraiment très très chaud. Parce que c'est des déserteurs. Et les déserteurs, c'est vraiment la galère.
Est-ce que j'arrive à les avoir? Wow! Ils sont sérieux là? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je pense que c'était une erreur stratégique d'avoir fait ça. En plus j'arrive même pas à les toucher, c'est quoi ça? Ok, j'ai été assommé. Mais j'arrive même pas à les avoir. Ouf. Ok, en deux, chez moi j'ai 2 tués, 3 blessés. 2 tués, 7 blessés, 8 tués, 1 blessé. Oh là 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 là. On a changé de carte, c'est bizarre. Ils sont où? Ah, ils sont là. En plus, il faut que je slalome au milieu des cailloux. Oui. 3 tués, 1 tué. Oh la vache. Eh, hey, j'ai été fait prisonnier, quoi. Bon, bah va falloir recommencer les gars. Ah, j'ai même plus de cheval, j'ai plus rien quoi. Bon, on recommence. On recommence. Il va falloir qu'on recrute d'autres personnes et qu'on recommence. Ah la vache, déserteur, c'est vraiment la galère. Attendez, je vais juste voir ce qu'il me reste des trucs. Ouais. J'ai du porc pourri. Il faudrait que je le vire. Ah là 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 là, ça commence mal. Pour l'instant ça allait bien. Il faut que je remonte ma petite armée. Visiter la taverne, là y'a quoi? Les pays sous contrat, Artenheimer. Mais je peux pas me permettre de reprendre les héros. Ah là 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 là, il faut... Bon, je vais refaire une... Je vais refaire une petite équipe. Ensuite, il faudra que je récupère de l'argent pour me racheter un cheval. Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faudra que je réentraîne tout le monde. Je devrais essayer de me trouver un camp d'entraînement. Je crois que les camps d'entraînement, c'est pas mal. Ah là là, ça m'embête. Parce que du coup, on a vraiment plus personne, quoi. Ouais, c'est ça, on a vraiment plus personne. On est du côté des pêchés. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que je fasse des tournois, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, 17, c'est pas mal, on va aller du côté de Fenner. Ah, des bandits des montagnes. Voilà, je suis à pied, ce qui m'embête un peu. Ah ouais, ils sont tous là-bas. Alors vraiment que je me retrouve un canasson.
Attention, ça commence à pleuvoir. Voilà, c'est exactement de ça que je voulais parler. Allez! Voilà. Je suis concentré, hein. Désolé si je dis rien, c'est vraiment que je suis concentré. Wouah! On va voir le verdict. 3 blessés, 12 tués, 3 blessés. Allez. 8 prêts à être améliorés. Ça y est, on commence à avoir une petite... Mais c'est bien tout ça, c'est très très bien. On commence à récupérer un petit peu... 17 à la tête. Ah non, ça c'est moins bien. De l'équipement, de l'argent, des personnes sont prêtes à être promues. Voilà, là ça remonte. Maintenant, faut arriver à se maintenir. À les côtés de Chesa. Ok, les chasseurs de prime. Alors, Roi Gravette, est-ce que tu me dis... Est-ce que tu as une tâche ? Ouais, le problème c'est que château de Waya, non, c'est trop loin. On va passer à Chesa. Et de toute façon, il faut que je m'entraîne là, pour l'instant. Le seul truc que je dois faire, c'est m'entraîner. Alors, on va voir s'il n'y a pas un rançonneur. Belligère en dessous, guetteur, rançonneur. Alors. Voilà. Alors il y a un belligère en dessous. Je vais juste l'assommer, je pense. Les autres ils se mettent à courir. Voilà. Donc j'ai trouvé un peu de deniers. Et quelques sous. Alors, faut juste que je vende des trucs. J'ai pas mal de trucs à vendre. Ah mais il faut que j'équipe mes héros d'abord. Attendez. On va d'abord équiper les héros. Borja. Alors, quelles compétences tu as ? T'es un guerrier, je crois. Hein. Équipement. Donc, on va te donner un bouclier, un... Peut-être pas mal, ça. T'es à plus 14, et c'est plus 14. On va te donner ça. Ça à la tête. On va donner un arc. Ah, il peut pas l'utiliser. Je pense que ça c'est pas mal. D'ailleurs, on va lui enlever le couteau, ça sert à rien. Bah là, il me semble bien. Ensuite, Firentis. Alors toi. On a été pas si mal quand même. Ah, et plus 19. Voilà, c'est mieux. Il est bon, des bons équipements. Donc, je vais mettre un bouclier. Voilà. Bon, ça fait déjà 20 minutes. Alors, attendez. On va pouvoir vendre tout ce que j'ai là.
Ouais. Il faut vraiment que je me refasse de l'argent. Et de l'expérience. Voilà. Je suis juste upgradé mon perso. On va mettre premier secours. Voilà. Donc là, on est plutôt bien, on est plutôt bien. Et on va pouvoir redémarrer le prochain épisode en récupérant d'autres... ouais, d'autres mecs, hein. Il faut encore qu'on récupère d'autres personnes et les entraîner. Ouf, ça a été dur comme épisode, ça a été dur, on a dû redémarrer de zéro, c'est pas cool. Enfin, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, et puis à la prochaine, salut à tous!